Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre carrière Team Loto. On est toujours du côté de Tour Down Under, on va finir sur cet épisode de Tour Down Under. Et il y aura aussi des petites courses du côté de championnat de Colombie. On fera l'étape en ligne de championnat de Colombie. Vous savez, leur championnat c'est aussi en tout début d'année, comme en Australie et Nouvelle-Zélande. Alors donc, accrochez-vous, ben voilà, c'est un court épisode, ça va être vraiment très court, histoire de se mettre un petit peu sur le bon chemin, sur la route. Et n'hésitez pas, abonnez-vous pour plus d'aventures, et likez, ça fait toujours du bien, portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que vous prenez très bien soin de vous. À très vite, ciao. Bienvenue à tous sur cette troisième étape, Tour Santos Down Under, une étape des sprints et un peloton emmené à vive allure à 6 km de l'arrivée par des coéquipiers de Fernando Gaviria qui va tenter un petit peu de se refaire ici parce que il a perdu, vous vous souvenez, il a un petit peu raté son premier sprint, voilà, donc regroupement, allez on passe sous la banderole des 5 derniers kilomètres, c'est une arrivée un petit peu sinueuse. Attention, parce qu'il faut être bien positionné et c'est vraiment la course au positionnement. Donc on voit notre formation ici. Oh, ça a chuté derrière. Je pense que... Oui, grosse chute ici, le maillot. Oh, les leaders a chuté. Alors que là, c'est parti. Hein. On va plus du tout s'attendre ici. Allez, on lance. Mon dieu, c'est allé extrêmement vite ici, je pense que c'est Groenewegen qui s'impose. On va voir ça tout de suite. Les sprints sont extrêmement serrés sur ces routes de Tour Down Under 2019. Et alors on a toujours le train de Quickstep qui sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison avec leur sprinter Gaviria qui a d'ailleurs quitté cette formation en vrai pour aller retrouver la formation United Emirates. Alors ils sont là bien devant, emmenés par Julio Chies à 6 km de l'arrivée et on va passer la banderole de 5 derniers kilomètres. Donc après la chute d'Alejandro Valverde, c'est Peter Sagan qui est leader maintenant. Et Primoz Roglic se retrouve à 2 secondes. Il est 3ème à 2 secondes de Peter Sagan. Donc demain ça va être l'étape de Winunga. Winunga Hill qui va permettre de mettre les classements généraux. Allez, c'est parti de 3 derniers kilomètres. On recherche ici Caleb Ewan qui est bien emmené. Groenewegen qui vient prendre sa roue. Peter Sagan est dans la roue. Caleb Ewan est parti. Attention, Gaviria est bien lancé ici. Gaviria peut-être qui va aller s'imposer. Oui, la victoire de Fernando Gaviria. Oh mon dieu. Ah non, non, j'ai cru voir Dylan Groenewegen doubler Gaviria vraiment au finish. Et oui. C'est encore au finish que Dylan Groenewegen qui vient de s'imposer. Il coiffe encore une fois de plus Fernando Gaviria. Voilà, Gaviria, on le voit là sur la photo. Il termine, je pense qu'il termine quand même deuxième. Oui, deuxième devant Peter Sagan. Et demain, ça va être l'étape de Willunga Hill. Et là, c'est le classement général qui va se décider. Donc pour l'instant, Primoz Roglic et donc avec les bonifications, Sagan repousse un petit peu Roglic. Juan Dennis et Seb Kuss qui remonte un petit peu là. Donc allez, c'est parti pour la dernière étape, la Willunga Hill. Et voilà, dernière opportunité pour les hommes du général pour aller un petit peu modifier ses classements généraux. Avec Peter Sagan qui est en tête, le champion slovaque est en tête au niveau du classement général. Et l'abandon du maillot arc-en-ciel à Alejandro Valverde. Donc
La porte est ouverte, c'est peut-être la consécration pour Julien et la Philippe, la quick step. Les quick step qui sont toujours un petit peu, qui passent à côté de... Ils cherchent toujours des victoires d'étape, mais jusque là, pas du tout. Hein. Ça ne sourit pas du tout pour les coéquipiers de Julien à la Philippe. Alors, c'est parti, notre formation, la Lausanne qui est devant, avec Georges Bennett, Roglic et Kuss. On va arriver à cette, sur cette dernière montée. Attention, c'est une montée explosive, il faudra y aller au tempo, pas besoin de faire des grosses démonstrations, on va essayer un petit peu de faire en sorte qu'on puisse voir très bien ces finales, parce que là ça va bouger. Alors ça remonte ici, les Bahrain Mérida repassent devant. Alors ce sont les Lausanne, notre formation qui repasse devant, les Bahrain Mérida qui reprennent le contrôle, c'est parti. Allez, les Michelton Scott avec Caleb Ewan, ce Nicole Brady qui fait remonter Gaspar Otto, et toujours au tempo, on retrouve Roglic toujours au tempo, Tim Boland bouge ici, ça bouge ce Nicole Brady, Roman Kreuziger, Tim Boland, ils sont en train d'attaquer là. Allez, c'est parti, Julien Alaphilippe qui contre, Julien Alaphilippe et Michael Woods, le Canadien, et là derrière, Primoz Roglic est en train de revenir. Roglic est en train de revenir, il s'écale dans la roue de Julien Alaphilippe sous le kilomètre. Alors, ils sont tous carbo, Roglic y va. Accélération de Primoz Roglic. Voilà, la victoire des Primoz Roglic et il prend par la même occasion la tunique de leader. Avant, c'était... la dernière étape, dernière occasion en tout cas. Il s'impose devant Julien Alaphilippe et Michael Woods. La quatrième place pour Rohan Dennis et la cinquième place pour TJ Van Garderen. Dernière étape de ce Tour Santos d'un under avec un peloton très en colère contre les hommes de tête. Le peloton est emmené ici par le coéquipier de Caleb Ewan. Attention hein, parce que c'est souvent lors de la dernière étape qu'il y a des chutes. Voilà déjà une voiture qui se place vraiment en plein milieu comme ça. C'est vraiment pour pas faciliter les choses. 37 secondes pour les hommes de tête et le peloton est en train de revenir. Sur les hommes de tête. Et voilà, on a le maillot vert ici en plein milieu du peloton. Dylan Groenewegen qui est en plein milieu du peloton. Il a une très mauvaise journée, moins 2. Ça sera peut-être pour Fernando Gaviria. Lui qui n'a pas encore levé les bras en tout début de saison alors qu'il a eu plusieurs opportunités jusque-là. Mais ça se joue vraiment à quelques détails. Hein, à quelques détails près. Voilà, les 5 derniers kilomètres et toujours... Ils sont toujours pas du tout revenus sur les hommes des têtes. Il faudra mettre un petit peu le turbo là, c'est ce que l'on est en train de faire derrière. La formation Quick Step est en train de revenir sur les hommes des têtes. Ils sont déjà cuits. Bah, cette voiture, mec, qui l'a placée vraiment en plein milieu. Voilà, donc c'est parti. Des trains qui sont bien en place. On voit Gaviria, Groenewegen qui prend la roue de Fernando Gaviria et David Vianney qui lance. Mon Dieu, Dylan Groenewegen s'impose encore une fois de plus devant Fernando Gaviria. Il doit être complètement dégoûté, Fernando Gaviria, de perdre chaque fois comme ça sur sprint. Voilà, Roglic remporte aussi par la même occasion cette tunique. Pour la deuxième saison consécutive, on remporte ses classements. Et alors on regarde, on se donne rendez-vous, je pense qu'on va refaire une étape, je crois, au niveau de Tour Saint-Louis.
C'est parti pour le 11 dernier kilomètre de cette quatrième étape de cette Vuelta, la communauté de Madrid. Oui, on a un petit peu avancé, il n'y avait pas assez de courses à vous proposer. Alors je vous dis un petit peu le topo, c'est que ici nous avons Steven Kruiswijk qui est le leader, le maillot jaune, et on a une très très grosse équipe. C'est pas du tout un objectif du sponsor. Les objectifs du sponsor, vous savez, c'est pas du tout, enfin c'est pas des gros objectifs. Et alors Kruiswijk est venu ici pour se remettre un petit peu en jambes, avoir des courses, des kilomètres dans les jambes pour son objectif qui sera Paris-Nice, qui va bientôt arriver. Alors il est devant, après le contre-la-montre que j'ai simulé, contre-la-montre par équipe. Et alors là, on approche la dernière difficulté, c'est grimpeur classé, je pense première catégorie, avec un peloton à vive allure. Donc on est au pied, c'est parti, le pied de cette dernière difficulté avec Swift de la Bahreïn, de la United Emirates, et nous avons des hommes des têtes qui sont devant. Attention, on va rester ici dans le peloton parce que c'est ici qu'il va y avoir des actions. Accélération de Rudy Mollard qu'on voit ici à gauche de l'écran, à droite de la route. Il est parti, accélération de Rudy Mollard. Et Kruiswijk au tempo va tenter un petit peu, il part, de revenir progressivement sur Rudy Mollard. Voilà, Kruiswijk qui revient, et on voit un train ici emmené par Tolweg et Juan Denis, notre recru. Alors nous avons encore... Ah, le maillot jaune est sorti. Rudy Mollard un petit peu à la ramasse. Le vainqueur du Giro 2018 est sorti. Voilà, il continue dans le tempo. Ah non, il accélère. Une petite accélération de Steven Kruiswijk qui est revenu sur les hommes des têtes. On est à 800 mètres. Une autre accélération de Steven Kruiswijk. Et derrière... Rudy Mollard s'est fait reprendre par le train Tolweg Juan Denis qui va un petit peu lâcher, qu'on voit là-bas à l'arrière. Alors le maillot jaune a fait le trou, il a fait le tri tout seul, il est parti. Il va basculer au sommet de cette dernière difficulté avec une avance considérable, et derrière ça sera juste le sprint final pour lui. Et voilà, donc il relance, il ne sait pas du tout descendre, mais il a fait le nécessaire et... Voilà la victoire de Steven Kruiswijk sur cette quatrième étape de ce tour de la communauté de Valence. Ça doit faire encore une autre victoire, je ne sais pas, la quantième de notre équipe. Les sponsors doivent être contents. Alors, une idée sur le classement général de cette quatrième étape de Vuelta à la communauté de Valence. Bonjour à tous, en Colombie, on est en Colombie pour le championnat national. Vous connaissez le parcours, sincèrement, j'aime pas ce parcours, surtout si vous avez juste un seul coureur. Comme dans notre cas, nous avons que Martinez, alors qu'il y a des autres formations qui ont déjà bien de coureurs. Donc si je veux remporter cette chute unique, il faudra quand même un jour recruter beaucoup de Colombiens. Voilà, donc Martinez qui repasse là. On le voit ici, le coureur de la Lausanne, notre formation. Allez, ça pente, ça monte ici. Hein. Derrière lui, il y a Mirel Lopez. Allez, accélération, attaque à 18 km de l'arrivée. Et derrière, Lopez n'a pas réagi. Il est peut-être en méforme, un petit peu court. Lopez n'a pas réagi à l'accélération du coureur de la formation Lausanne. Attendez. Et donc, voilà, désolé, 36 secondes sur le groupe Lopez, et il va tenter de revenir sur les deux hommes ici. Enfin, il y en a, ce sont des Colombiens, il y en a un qui a déjà pris de l'avance à 14 km de l'arrivée. On va voir un petit peu comment le groupe Lopez va se comporter lors de ces différentes montées, et surtout la dernière difficulté. Allez, je vous reprends ici à 6 km de l'arrivée. Et il y a toujours un seul homme devant. Martinez a réussi à faire la jonction avec le deux coureurs intercalés. Et derrière, il a 43-42 secondes. Devant, il y a un homme qui a 1 minute 8 sur cette petite descente. Il est en train de récupérer. Et derrière, c'est la chasse est lancée ici avec Lopez.
Chavez, Juan López, il y a même Egan Bernal, hein. Il a 85 en montagne. Alors en une saison, il a réussi déjà à passer de 79 à 85. Impressionnant. Impressionnant l'IA, comment il arrive à augmenter les caractéristiques des coureurs. Donc c'est parti. La montée finale avec un homme ici qui est devant. Et voilà, donc comme ça on va un petit peu voir derrière. On voit López qui a mis le turbo. Et ici, Martinez également qui tente de revenir sur l'homme de tête à sous le kilomètre, la flamme rouge. Derrière, c'est Chavez qui fait l'effort. López est sur le est au tempo. Martinez qui recolle ici sur l'homme de tête. Ah, ça sera peut-être pour Martinez. 23 secondes, attention derrière, ça revient très fort. Oh mon Dieu! López vient décoiffer complètement Martinez juste sur la ligne. Et il remporte donc cet unique champion de Colombie. Félicitations à López, mais on a tout tenté. Mais voilà, ça ne nous a pas souri. Allez, on se retrouve tout de suite pour... Non, je pense qu'on va quand même se dire adieu sur cette petite vidéo. C'était un court épisode en tout cas, et prenez très bien soin de vous. Et à très vite sur les routes de Pro Cycling Manager 2019, saison 2019. Et je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, le plus important, c'est que vous preniez très bien soin de vous. Allez, à très vite. Ciao.